Puisque le hockey est un sport collectif, puisque le hockey est une école de vie, puisque les services de première ligne doivent être appuyés et remerciés, au nom de la LHQ Volley Féminin, voici notre façon de vous dire merci. Ça va bien aller si on reste confiné. Parce que l'isolement, c'est pas pour tout le temps. Ça va bien aller si on pense à se protéger. Parce que ce qu'on aime, on les veut en santé. Ça va bien aller. Parce qu'on a les docteurs, les infirmières, les préposés, les infirmiers, les bénévoles, et bien sûr, l'entretien, le ménager, les travailleurs dans les épiceries, les restaurants, les pharmacies, les camionneurs, de ceux qu'on oublie, bref, ceux et celles, aux services essentiels. On a Monsieur Legault, Horatio, Madame McCann, les journalistes, les analystes, les spécialistes, les épidémiologistes, on a Gino, Pierre Bruno, on a Patrice, Pascal, Mado, Paul le matin, Paul le week-end, même Guillaume en direct. Ça va bien aller, même s'il n'y a pas de hockey. Ça va bien aller, ça va bien aller. L'Organisation des Étoiles aimerait remercier tous les services essentiels en cette période de confinement. Tout d'abord, merci à tous les gens qui travaillent dans les CHSLD. Merci à tous les bénévoles. Merci à Hydro-Québec. Merci aux agriculteurs du Québec. Merci aux travailleurs du 811 et du 911. Merci aux facteurs et factrices de Pouce Canada. Merci à tous les policiers et policières du Québec. Merci à tous les livreurs du Québec. Un gros merci à M. Legault et à toute son équipe. Merci à tous ceux qui travaillent dans le domaine de la santé au Québec. Merci aux commis de station de service. Merci à toutes les ambulanciers et ambulancières du Québec. Merci à toutes les personnes qui s'occupent de l'entretien. Merci à tous les emballeurs et commis du Québec.